Cet aquarium fut créé en 1931 pour l'exposition coloniale. Les nombreux visiteurs venaient voir les plus beaux spécimens que nos explorateurs avaient ramenés des colonies. Attention, objets rares. Ils viennent du fond de l'histoire. Ce sont des espèces primitives. Il y en a même un qui, pour respirer, remonte à la surface. Drôle de poisson. Une raie d'eau douce. Prenez garde à son aiguillon venimeux. Mais cet aquarium n'est pas exclusivement consacré aux poissons d'eau douce. Ici, c'est la reconstitution d'un récif corallien avec plein de petits poissons de toutes les couleurs, au salé bien sûr. Ce requin ne s'arrête jamais de nager. Et oui, c'est comme ça qu'il respire. Piranha. Ils sont moins féroces que leur réputation. Qu'il est drôle celui-là. On dirait qu'il a un long nez. Là, on m'a dit que c'était le plus curieux de tous. Il s'appelle Napoléon. Regardez, je crois qu'il me fait signe.